Une fois que la croix jaune est correctement orientée, il va falloir placer les coins. On va se retrouver dans trois configurations particulières. Soit les quatre coins sont au bon endroit et alors on peut zapper cette étape et passer à l'étape suivante, soit il y aura un seul cube de bien mis, soit aucun. Alors regardons ici, ce cube là, il n'est pas bien mis puisqu'il n'est pas à son bon emplacement. En effet, il devrait être jaune, orange et bleu alors qu'il contient du vert et du rouge. Donc je vais manipuler le cube comme ça pour repérer un des quatre coins qui serait éventuellement bien mis. Je vois ici que lui, même s'il est mal orienté, il est quand même à la bonne place. Il est sur son futur emplacement. Il est bien jaune, vert, orange, comme les trois centres que l'on voit ici. Donc maintenant, je vais utiliser la formule « placer les coins ». La formule est la formule suivante. Haut, droite, haut inversé, gauche inversé, haut, droite inversé, haut inversé, gauche. Le cube qui était là, qui était bien placé, au bon emplacement, n'a pas bougé et les trois autres ont échangé de place. Malheureusement, cette formule n'a pas suffi pour l'instant. Des fois, elle peut suffire du premier coup, sinon il faut la recommencer une deuxième fois. Alors c'est parti. Haut, droite, haut inversé, gauche inversé, haut, droite inversé, haut inversé, gauche. Le cube jaune, vert, orange est toujours bien positionné et les trois autres sont maintenant à la bonne place. Alors on peut se retrouver dans le cas où aucun coin n'est bien placé. En effet, ici ça aurait dû être le rouge, vert, alors qu'ici ça aurait dû être le bleu, rouge, là le orange, bleu. Et ici, le vert orange. Donc là, aucun coin n'est bien placé. Donc on va refaire la formule « placer les coins ». Et là, peu importe comment on va placer le cube, on peut le mettre n'importe où. Allez, par exemple ici, et faire la formule suivante. Haut, droite, haut inversé, gauche inversé, haut, droite inversé, haut inversé, gauche. Ainsi, en réalisant cette formule « placer les coins », j'ai réussi à placer forcément un coin au bon endroit. Alors ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, le voici. En effet, celui-là, il a bien les bonnes couleurs, il est bien jaune, rouge, vert, jaune, rouge, vert. Donc lui, il est au bon endroit. Donc je vais le placer en haut, ici, à droite, et refaire la formule, placer les coins. Donc haut, droite, haut inversé, gauche inversé, haut, droite inversé, haut inversé, gauche. Ainsi, celui qui était bien positionné est resté à la bonne place et les trois autres sont au bon endroit. Ainsi, l'étape est terminée.